Bonjour, je suis Willy Bissinthe, un aventurier. Et effectivement, je suis un amoureux de la mer depuis tout petit, depuis que j'ai, je sais pas, 4-5 ans. Et donc j'ai commencé la voile à l'âge de 12 ans et je n'ai jamais lâché. J'ai toutes mes classes en Guadeloupe et pas mal de compétitions. J'ai eu le goût de la compétition rapidement, hein, au bout d'une année. En optimiste, puis en 420 où j'étais champion de la Guadeloupe, puis en Mercury aux îles Vierges, j'étais champion de la Caraïbe. Et après il y a eu effectivement quelque chose d'important, il y a eu la voile traditionnelle, une super compétition qui est arrivée et où je me suis retrouvé voilà, dans la compétition et ça a été l'élan, c'est reparti à ce moment-là. Lorsque vous faites une traversée en solitaire, toute traversée en solitaire, c'est pas anodin. Et donc, c'est beaucoup de réflexion après. Moi, quand j'arrive, je ne reprends pas le boulot tout de suite. Je prends le temps de vivre et je prends le temps de réfléchir. Et moi, aujourd'hui, je dis que je ne suis pas pressé. Je prends le temps, je réfléchis. Après, j'ai d'autres hobbies aussi, j'ai d'autres passions. Je suis un passionné de musique, je suis un passionné de mer en général, de pêche, etc. Et moi, je tiens à ça. Je suis un passionné de voyage. Avec ma famille, on aime voyager. Et donc... Donc je passe du temps à tout ça, parce que voilà, j'aime la vie, j'aime profiter. Voilà. Je ne suis pas cantonné dans la voile, c'est un élément. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Pointe-à-Pitre, c'est une ville que j'adore. Quand c'est le carnaval, ben, je suis tous les dimanches à Pointe-à-Pitre pour le carnaval, et ça depuis tout petit. Et donc voilà, ce sont ces choses-là qui m'attirent beaucoup. Et ce sont des choses très simples. Et moi, j'aime la... Je suis un homme simple qui est heureux. Je suis toujours en quête de simplicité. Bon, pareil, moi, je suis plutôt du genre timide, réservé. Et voilà, ça correspond, tout ça mélangé, ça donne ma personnalité, quoi.